C'est une marée humaine. La foule des grands soirs à Bercy. Music Bank continue maintenant sa tournée mondiale et est arrivée à Paris. Plus de 15 000 personnes, essentiellement des adolescentes survoltées, pour un concert à guichet fermé. Vous avez attendu combien de temps? Je vais faire à 18h30. Ça vaut le coup? Oubliez les stars américaines. Leurs idoles ont détrôné Madonna et talonnent Lady Gaga dans une langue pourtant inaccessible à la plupart des Français. Ceux qui déchaînent une telle passion, les voici. La K-pop, la pop coréenne, déferle sur la France. Ces groupes de garçons ou de filles venus de Séoul, au look hyper soigné, aux chorégraphies millimétrées, battent tous les records et affolent l'industrie du disque. Des milliers d'albums vendus, des millions d'euros engrangés. Comment les Coréens ont-ils su trouver les mots pour parler aux jeunes Français comme Anouchka? Qui s'affaire en coulisses pour fabriquer cette musique et la diffuser à l'ensemble de la planète? Et surtout, pourquoi le petit pays du matin calme mise-t-il autant sur ses poupées dansantes? Enquête sur un modèle d'industrie culturelle, la déferlante coréenne. Au lendemain du concert, nous embarquons dans le bus de Tiara, l'un des groupes les plus populaires de Corée. Hein, quoi? Regarde, c'est la tour Eiffel là-bas. Wow. Oh, c'est super beau. Six filles, de 17 à 25 ans, un peu dépassées par leur propre succès. Avant, je ne savais pas du tout quel était l'impact de la K-pop à l'étranger. Mais là, c'est énorme. Il y a même des gens qui nous reconnaissent dans la rue. Revers de la médaille, la promotion permanente. Leur manager leur avait promis une journée de détente. Allez, on sourit. Un, deux, trois. C'est une séance photo qui les attend. Et on nous avait promis une rencontre privilégiée. C'est une mini-conférence de presse. C'est la première fois que Tiara vous dit bonjour depuis Paris. Nous allons revenir très vite. Communication parfaitement maîtrisée, verrouillée même. C'est peut-être l'un des ingrédients de leur succès, aussi essentiel que leur voix, qu'on croirait directement sortie d'un studio. Leurs chansons parlent d'amourettes platoniques. L'amour de leurs fans est, lui, sans limite. À quelques kilomètres de là, nous retrouvons Anouchka Toutain, aperçue dans la foule de Bercy. Salut. Ça va? Ouais. 17 ans, lycéenne, une ado comme les autres. Dans ma chambre, il n'y a pas. Mais son univers, lui, s'affiche exclusivement en coréen. Après, là, en haut, il y a Pivré. Ici, il y a Piste. Des noms, des visages venus de très loin et qui se propagent comme une traînée de poudre dans les collèges et lycées. Pendant un voyage scolaire, notre amie m'avait fait écouter Halvalu et des Big Bang et Jolie Pop de Big Bang et 21. Et j'avais vraiment aimé ces chansons. Du coup, bah, depuis, j'écoute que ça. Cette pop acidulée doit aussi son essor aux réseaux sociaux Facebook et YouTube. Les clips ont été visionnés plus de 2 milliards de fois l'an dernier. Tu fais quoi, pardon? J'écris les paroles d'un rap en coréen. Et voilà une élève moyenne qui passe des heures à étudier seule l'une des langues les plus difficiles au monde. Ah, le mec, il lui dit je t'aime. Anouchka n'est pas seulement une fan. Elle a fait de sa chambre un mini studio d'enregistrement et passe des heures à s'entraîner, à répéter.
être. Après, je connais pas en fait. C'est quoi ton rêve? Concrètement, bref, c'est enfin, devenir une artiste là-bas, enfin, si c'est possible, quoi. Sinon, je sais pas. Elle ne le sait pas encore, mais son rêve va l'emmener à l'autre bout du monde. Anouchka a été sélectionnée parmi tous les fans français pour une plongée au cœur de la K-pop. Séoul. L'une des villes les plus insaisissables d'Asie. Le cœur de cette industrie musicale en plein bouillonnement. À 9000 km et des années-lumière de sa chambre de banlieue parisienne. Anouchka ? Contente d'être à Séoul ? Ouais, ça contente, mais je suis super fatiguée en fait. Autour d'elle, une vingtaine d'autres fans venus du monde entier. Groupe numéro 3, Chine, Angleterre, New York, Chili, France, Japon et Pologne. Tous ont été sélectionnés sur Internet par le ministère de la Culture coréen, qui les invite ici une semaine, tout frais payés. Dans le palais, ensemble. Comme Anouchka, chaque participant est escorté d'un ange gardien. En réalité, un salarié de l'ambassade coréenne de chaque pays représenté. Car ce voyage fait partie d'une stratégie gouvernementale développée dans ses bureaux. La Hallyu, littéralement la déferlante coréenne. Là, c'est le département des jeux vidéo et des mangas. Et des figurines, nos mascottes nationales. Là, voilà nos mangas. Là, c'est le département des films et des séries télé. Et les voici, en DVD. Il y a beaucoup de stars de K-pop qui jouent dedans, comme nos égéries, les Girls, Generation. Ces fonctionnaires ne sont pas de grands enfants. Leur mission est une priorité très sérieuse pour Séoul, qui leur octroie 10 millions d'euros par an. Objectif : utiliser la K-pop comme fer de lance culturelle et économique. La K-pop est l'élément central de notre stratégie de vague culturelle. Cela se vérifie dans le tourisme. Sur 10 millions d'étrangers venus en Corée l'an dernier, 1 million avait entendu parler de la Corée par ce biais-là. Mais s'il y a une compagnie qui n'a pas besoin de coup de pouce gouvernemental, c'est bien SM Entertainment, le temple de la K-pop. La plus grande maison de disques du secteur, la plus exigeante aussi. Des heures et des heures d'entraînement quotidien. Danse, chant, arts martiaux, ici l'à peu près n'existe pas. Tao est l'un des membres du tout nouveau groupe EXO. Et les producteurs ont décidé que son profil serait celui d'un combattant. Je suis vraiment épuisé. Exceptionnellement, nous avons pu approcher ce boys band, dernier né de l'Empire SM. EXO, comme tous les groupes de K-pop, est une formation créée de toutes pièces avec une feuille de route bien précise. Moi, je suis chinois et je parle mandarin. Et lui, il est coréen. En fait, dans ce groupe, il y a des Chinois parce qu'on vise le marché chinois. C'est pour ça qu'on a d'un côté une équipe avec des membres coréens et de l'autre une équipe avec des membres chinois. On dirait que vous êtes des jumeaux. Ah, vraiment ? Merci du compliment. C'est le concept, en fait. Ah oui, c'est quoi le concept ? En fait, on est comme des frères. 6 d'un côté pour le marché chinois, 6 de l'autre pour le marché coréen. Et on a tous un double dans l'autre groupe. Deux groupes en un, comme clonés.
Même style, même chanson, même chorégraphie. Six d'entre eux forment Texoka en coréen et les six autres Exo-M en mandarin. Voici leur premier single, History, et c'est déjà un tube. Le modèle de technologie culturelle, comme on l'appelle ici, ne fait jamais d'erreur. Ces ados sont programmés pour devenir des stars. Ce sont les artistes dont rêve tout industriel de la musique. Ils sont jeunes, talentueux et presque interchangeables. Lorsqu'EXO-M cède la place à EXO-K. Nous ne pourrons pas rencontrer leurs compositeurs, des salariés de ce label qui opèrent en amont un savant dosage de hip-hop et musique électronique. Et pour aborder les chanteurs, il nous faut d'abord transmettre une liste de questions à leur manager, ici en blanc, qui leur remet aussitôt cette feuille à apprendre par cœur. Il s'agit des réponses rédigées par la production. Nous ne choisirons pas non plus le lieu de l'interview. La compagnie contrôle son produit à tous les niveaux, avec des boutiques comme celle-ci, un disquaire sous pavillon de l'ASM. On y trouve exclusivement les albums et produits dérivés de cette maison de disques. C'est là que l'entretien va nous être accordé, devant un public conquis d'avance. Pas question d'aborder leurs conditions de travail, vie personnelle ou encore la chirurgie esthétique, secret de polichinelle dans cette industrie. Nous n'aurons droit qu'à des réponses toutes faites sur leur prochain concert. La production veille au grain. Lui là, c'est notre manager. Il vous aide à vous comporter avec les médias, en fait. Oui, il nous apprend à... Enfin, il nous dit quelles questions on va nous poser et quel genre de réponses donner. Enfin, pas tout le temps. Il y a aussi des fois où on se retrouve tout seul. Mais on a été entraîné pour ça aussi. Ils sont liés par des contrats longue durée qui peuvent être révoqués du jour au lendemain s'ils s'affichent avec de l'alcool, une cigarette ou une petite amie. Salaire moyen, 5000 euros par mois. Chiffre d'affaires de leur maison de disques, 35 millions d'euros par an. La K-pop est une industrie ultra rentable, bien au-delà de la musique. Ici, la crise a frappé il y a 10 ans et la K-pop a été l'antidote. Le pays connaît une croissance de 4% par an et il le doit en grande partie à ses petites idoles. Lunettes, vêtements, téléphones portables, les stars vendent de tout et en particulier des cosmétiques pour 10 milliards d'euros par an. Alors ça, c'est un coffret de parfum en édition limitée, siglé des chanteurs Yuno et Chengmin. Vous avez deux flacons à l'intérieur avec leurs signatures respectives. Et dans le coffret, vous avez aussi une série de photos de ces artistes. Vous pouvez décoller dans votre chambre. Notre marque est très populaire en Corée. Et grâce à la K-pop, nous allons pouvoir exporter encore plus. Être fan, c'est donc aussi être client. Daye adore Tiara, les chanteuses que nous avions rencontrées à Paris. Et c'est autant pour leur musique que pour leur look. Là, c'est Jihyun, du groupe Tiara. C'est ma préférée, je l'adore. Les stars de K-pop sont sur toutes les affiches. Et moi, mon rêve, c'est de devenir chanteuse comme elle.
Pour monter sur scène, bien sûr. Mais aussi pour être en photo partout, comme elles. Elles sont tellement belles. Pour marcher sur les traces de ses idoles, Daye a convaincu ses parents de débourser 5000 euros par an. Le prix d'une inscription à la prestigieuse SM Academy. Le centre de formation créé, là encore, par l'omniprésente SM Entertainment. Et sur quoi s'entraînent les élèves ? History, le nouveau titre de EXO. Il arrive souvent qu'un membre d'un groupe soit poussé vers la sortie et remplacé. Cette école est l'antichambre de la gloire. Je pense que s'ils s'entraînent à fond, ils ont leur chance. Et toi ? Ah, mais mes copines et moi, on s'entraîne à fond aussi, dès qu'ils libèrent la salle. Exceptionnellement, la maison de disques nous a ouvert les portes de cette fabrique de stars, où les professeurs sont aussi découvreurs de talents. Donc on rentre par là. L'académie compte 150 élèves de 10 à 18 ans. Là, les étudiants apprennent le solfège. Ils sont en cours. Et ici, on a aménagé des salles pour que les élèves puissent s'entraîner tout seuls. Ils travaillent leur voix, chacun de leur côté. Ah, par exemple, vous voyez dans cette cabine... Vraiment, t'as bien chanté, hein? Mais j'ai pas grand chose à te dire, je sais pas quoi te dire. Tous n'ont pas le même potentiel, et beaucoup échoueront aux portes de leurs rêves. Donkin fera peut-être partie de la poignée d'élus. Il y travaille en tout cas à raison de 4 heures de danse et 2 heures de chant tous les soirs après le lycée. Là, ce sont des chanteurs et des acteurs très célèbres. Ce sont nos aînés. Ils ont tous été formés ici à la SM Academy. Ma star préférée, c'est elle avec la casquette. C'est elle parce qu'elle chante bien et elle est vraiment trop belle. Une plastique parfaite, c'est le dernier ingrédient pour percer dans la K-pop. Et un tabou absolu. Personne n'a accepté d'aborder le sujet avec nous alors que nul n'est dupe. La Corée est aujourd'hui le plus grand marché au monde pour la chirurgie esthétique. Et presque toutes les stars y sont passées. Ce sont même les maisons de disques qui payent l'intervention. Dans cet immeuble, 15 étages dédiés aux rhinoplasties, lifting et prothèses mammaires. La clinique du Dr Lee accueille certains jours jusqu'à 120 patients. Ça, c'est les yeux typiquement asiatiques. Là, c'est fermé et les paupières tombent. Et donc là, on ouvre de ce côté-là et ça devient comme ça. On ouvre devant, derrière, en bas, en haut. Si vous regardez les stars de K-pop, ils sont tous très beaux. Ils se ressemblent tous. Ils ont de grands yeux, une petite tête, ils sont minces. Non, je ne pense pas qu'il existe une seule star qui ne se soit pas faite opérer. Et la interdiction de nous révéler quelle star il a lui-même opéré, les maisons de disques exigent la confidentialité. C'est la face sombre de cette industrie. De ces artistes jetés en pleine lumière, portés par un pays qui fait entendre sa voix et ne compte pas s'arrêter là. Avec 50 millions d'habitants, la Corée est un petit marché. Voilà pourquoi il leur faut à tout prix séduire le reste de la planète. Nous retrouvons Anouchka et la vingtaine de fans de K-pop venus du monde entier. Anouchka, tu les as vus ?
dans les coulisses du K-pop World Festival. Un gigantesque show télévisé, organisé là encore par le ministère coréen du tourisme et de la culture, dont ils sont tous les invités. Qu'est-ce que tu regardes, Anushka? Le programme de ce soir, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est le programme? En fait, il y a l'ordre de passage de tout le monde. Des équipes finalistes. C'est le clou du voyage. Séoul offre à ses ados venus des quatre coins du monde leur quart d'heure de gloire K-pop. Maquillés, habillés comme leurs idoles, dans quelques minutes, ils vont monter sur scène devant 15 000 personnes et des millions de téléspectateurs. C'est exactement ce que je voulais. Non mais là, si tu mets ce collier, tu vas t'assommer. Regarde, en dansant, tu vas te le prendre en plein dans le crâne. La pression monte. Pourtant, ce soir, c'est la Corée du Sud qui joue gros. Pour la première fois, l'univers de la K-pop déroule le tapis rouge à ses fans étrangers, invités à reprendre en coréen les titres les plus populaires du moment. Depuis ton lycée, enfin, c'est un immense voyage, un grand parcours. C'est vrai. Les sélections et tout, qu'est-ce que tu ressens? De la joie, de l'émotion. Beaucoup de pression. Sur scène, les filles du groupe Sistar. Anushka et ses copines vont bientôt les rejoindre. Jamais son rêve n'a été aussi proche. Ce qui se joue en coulisses, au prix d'une promotion de tous les instants et d'une fabrication de stars à la chaîne, c'est l'émergence sur le devant de la scène mondiale d'un petit pays, longtemps dans l'ombre du Japon, son éternel rival, ou de la Chine, son imposant voisin. Des enjeux qui dépassent largement ces adolescents. Le voyage est maintenant terminé pour Anushka. L'opération séduction de la Corée du Sud touche à sa fin. Dans quelques heures, elle reprendra l'avion pour Paris. Elle était fan, elle repart accro à la K-pop. Et déjà presque célèbre en Corée après son passage à la télé. Thank you very much. Tu vas revenir? Bah, bien sûr, je vais revenir. Pourquoi je pourrais? En attendant, elle aura plein de choses à raconter à ses amis restés en France. Et c'était l'un des objectifs de sa venue ici. Elle devient ambassadrice de la Corée. Bah, auprès des forcément. Jeunes. J'espère. Alors votre mission est remplie à vous. 100%. Et voilà comment sur Internet et dans les cours de récré, de Séoul à Paris, en passant par New York, Londres ou Pékin, la vague coréenne déferle sur le monde.